Salam alaikoum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette nouvelle façon de porter le hijab, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre le foulard avec les lunettes. Donc, c'est ma façon à moi de quand je mets le foulard et je mets mes lunettes. Et vous me direz si vous avez aimé ou pas, vu que c'est plusieurs personnes qui m'ont demandé de leur montrer la façon de comment mettre le foulard avec justement avec les lunettes. Parce qu'il y en avait qui, bon, je vais vous montrer ma façon et vous me direz, ça va être mieux. Alors, il va nous falloir un bonnet, un bandeau. Qu'importe, on va le mettre. Comme ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, des pinces. Comme d'habitude. Hein. Alors, je vais vous faire une façon super simple, hein, comme je fais d'habitude. Sauf que moi, je vais vous montrer un petit truc que je trouve que ça fait plus joli avec pour les lunettes. C'est de mettre bien le foulard jusqu'ici, en fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le bandeau après. Vous me direz aucun intérêt jusqu'à là. Mais par la suite, vous allez voir que si. Donc. On prend. On attache avec une épingle, hein, comme d'habitude. Vous l'attachez ici pour bien serrer. Si vous voulez pas que ce soit serré, vous avez juste à l'attacher sur votre robe, tout simplement, comme je fais d'habitude. Donc c'est à vous de voir. Donc je vais retirer le foulard d'en bas. Le foulard d'en bas, j'ai déjà fait une vidéo avec. Je pense que vous devez vous en rappeler. Alors, comme d'habitude, je serre. Donc quand j'arrive pour le retirer, c'est tout un truc. Donc c'est celui-là. Mais vous le connaissez normalement. Ensuite, donc je rapproche bien. Et en fait, ce foulard, ce que je trouve joli chez lui, c'est que il fait deux côtés en fait. Il y a ce côté-là, que vous avez vu quoi par rapport à là. Et il y a ça aussi, comme des petits points quoi. Donc ça fait comme si on avait deux foulards, mais en fait on n'en a qu'un. Et ça, j'aime bien. J'ai oublié de retirer l'étiquette, surtout à retirer parce que c'est pas du tout joli. Alors, retirer, je l'ai jamais mis en fait depuis que je l'ai acheté, donc c'est pour ça que j'ai jamais retiré l'étiquette. Mais pourtant, il date de pas mal de temps maintenant. Je l'ai acheté chez New Look et à retirer surtout l'étiquette parce que ça fait pas joli, joli. Donc, prendre des pinces ou des épingles comme vous voulez, on attache ici, on te fait pas mal surtout. Voilà. Une déjà là. Et la deuxième. Ok, voilà. Donc, ça permet de tenir le foulard. Alors, je vais expliquer pardon, pourquoi je l'ai mis super près du bandeau. Par contre, pour le bandeau, mettez un bandeau marron si vous avez ce style de foulard, parce que ça fera super joli. En fait, j'ai perdu mon bandeau marron, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, pourquoi j'ai pris ce bandeau-là? Voilà, je vous donne la raison. Bon, c'est pas moche, mais c'est pas la couleur qui irait véritablement avec. Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette couleur et non un marron. Parce que normalement, je voulais un marron, mais depuis tard, je le cherche. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, voilà, hein. Pour la façon de mettre foulard, c'est super simple. Ensuite, on prend les lunettes, je vais vous montrer. Donc voilà. Et en fait, pourquoi j'ai mis le bandeau à l'intérieur? C'est que je vais vous expliquer. Ça va être.
Ça va en fait tenir les lunettes. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Ça va tenir les lunettes. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ça fait que les lunettes tiennent. Elles vont pas bouger. Regardez, hein, je vous montre. Elles sont encore là. Et pourquoi je l'ai mis super devant le foulard en fait, voilà quoi. C'est pour pas qu'on voit trop les, qu'on voit pas trop ça en fait, les branches des lunettes, et que ça fasse plus joli. Donc l'avantage du bandeau, on le voit même pas. Après si vous voulez qu'on le voie, mais c'est vrai que ça va faire plus joli, ça ferait pas super top si on verrait comme ça. Moi je trouve pas ça joli quoi. Après c'est à vous de voir. Moi je trouve que ça fait joli. Ça tient les lunettes. Donc voilà. Et moi, c'est ma façon de les mettre, quoi. Parce qu'il y en a qui le mettent comme ça. Et j'aime pas du tout. Qui rentrent directement. Alors, ce que j'aime pas, c'est ce. Voilà. Ça dit pas ce que ça fait. Je trouve ça pas très joli. Mais après, c'est. Voilà. Chacun a sa façon de le porter. Et chacun préfère la façon de le porter. Donc voilà. Moi, je vous ai montré mon astuce. Je vous montre que les bandeaux, ça tient vraiment. Donc j'ai des noirs. Juste, je mets bien parce que... Et voilà. Donc voilà. On voit pas beaucoup les branches des lunettes. On voit juste ce qu'il faut voir. Et le bandeau tient les lunettes. Et voilà. Et le foulard fait qu'on ne voit pas grand-chose. Donc voilà. Moi j'aime bien en tout cas. Après, j'attends votre avis. Mais je préfère avec bien sûr les marrons avec ce foulard-là. Ça va être plus joli. Donc voilà. Donc, il nous faut pour cette nouvelle façon de porter le hijab un bonnet, un bandeau. De chez H&M ou qu'importe, hein, du temps que vous avez un élastique comme ça, quoi, un bandeau. Un foulard, bien sûr. On met le bandeau. On le met ici au milieu. On met le foulard. Le foulard, on le ramène. Donc, on l'attache une fois ici, en haut, là. Comme j'ai fait avec l'épingle. On tourne, tout simplement. On met une pince ici. Une pince là. On ramène bien le foulard devant. Justement, ça va faire. Ça va cacher les branches des lunettes. Et à grâce de l'élastique, comme je vous ai montré. Ça tient les lunettes. Et toute la journée, je vous assure, elles ne tombent pas vos lunettes. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc j'attends de vos petits commentaires ou voilà quoi, tout simplement. Et si vous aimez, marquez j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire? Ah oui, vous pouvez me retrouver sur ma fiche My Hijab Style. Sur Facebook, Twitter, sur YouTube, sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner aussi, vous pouvez lâcher vos commentaires et sinon vous pouvez me retrouver sur mon blog myhijabstyle.blogspot.com. Donc voilà, bah, j'espère à très bientôt. Salam alaikum les filles!